Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la web découverte CETIM Academy, paramètres influents en usinage. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler paramètres influents en usinage. Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Par ailleurs, dans un contexte d'exigence accrue, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d'investigation, la numérisation des données et leur intégration progressive au sein des process. Comprendre et appréhender les points clés de l'usinage de la machine à l'outil, en passant par la matière, le fluide de coupe, les préhensions et attachements. Découvrez les points fondamentaux pour améliorer votre performance, votre productivité et réduire vos coûts en optimisant votre process d'usinage. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Monsieur Julien Thier, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas à répondre. Monsieur Thiel, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Merci, merci d'avoir répondu présent en nombre pour cette web découverte qui traitera de manière introductive un sujet relativement généraliste, l'usinage, par un angle relativement exclusif, la coupe. Je vous propose le plan suivant, aborder cette présentation sous forme d'introduction, pardon, technique générale. On abordera ensuite la coupe de manière globale, selon un sujet bien connu, qui est l'approche globale de l'usinage. Et on poursuivra par un sujet à tendance plus théorique, qui concerne la physique de la coupe. Et ensuite, on basculera sur deux autres sujets plus techniques qui sont la partie usinée, pardon, donc la matière, et la partie usinante, l'outil de coupe. Et on finira par quelques généralités sur cette présentation et l'expertise de la coupe et l'expertise plus générale au sein du septième. Avant toute chose, je me présente, Julien Thiel. J'interviens au CETIM depuis maintenant un peu plus de 2 ans, hein, avec comme expertise la coupe et l'usinabilité. On aura l'occasion de voir tout au long de cette présentation en quoi consiste cette expertise. J'interviens sur des projets d'expertise, de développement process ou alors de transfert de connaissances, puisque j'ai monté une masterclass sur la coupe, justement, qui en fait traite exactement de la même chose que ce qu'on va voir aujourd'hui, mais de manière bien sûr très largement plus exhaustive. Voilà. Donc l'objectif global de l'intervention, c'est bien sûr de traiter de manière préliminaire pour comprendre et appréhender les points clés de l'enlèvement de matière en usinage, pour faire le lien avec certains paramètres techniques qui encadrent l'opération d'enlèvement de matière, et en l'occurrence l'usinabilité, les paramètres opératoires. Tout ce qui concerne l'outil coupant, le substrat, le revêtement, la géométrie, et puis tout ce qui concerne également éventuellement les assistances de l'usinage qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion d'aborder aujourd'hui puisqu'on n'aura pas assez de temps. L'objectif général derrière tout ça, c'est bien sûr de mieux maîtriser l'environnement, de contribuer à mieux maîtriser l'environnement de l'usinage pour optimiser les choix techniques et résoudre éventuellement certaines problématiques auxquelles on peut être confronté dans le cadre de la production industrielle de composants mécaniques. Tout cela pour améliorer la compétitivité, en tout cas pour y contribuer, et par contre, par amélioration de la compétitivité, on entend productivité, qualité, et durée de vie. Tout ça pour pérenniser, et en tout cas essayer de pérenniser de l'activité. En guise d'introduction technique générale, il y a quelques sujets que j'aime bien introduire et une analogie en l'occurrence, celle du pneumatique, à savoir comparer
le pneumatique d'une automobile à la coupe et l'outil de coupe en usinage. En effet, le pneumatique en automobile, c'est par rapport au coût global d'une auto, quelque chose de relativement négligeable dans certains cas de figure, mais qui pourtant présente une forte technicité et est le premier élément en contact avec la route. Il en va de même avec un système usinant où l'outil coupant est le premier élément en contact finalement avec la matière que l'on usine, donc qui présente un grand nombre de, enfin une très grande technicité. Et cette analogie révèle que il est fondamental de maîtriser justement ce qui se passe à l'endroit de la coupe. Tout en sachant qu'il ne sert à pas grand-chose d'avoir une très bonne machine d'usinage, un très bon opérateur, une très bonne commande numérique, un très bel environnement si l'outil et les paramètres opératoires et les paramètres qui gravitent autour de la coupe ne sont pas suffisamment bien maîtrisés. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Qu'est-ce que l'usinage? Je pense qu'on est tous capables de le définir, mais de le définir simplement en moins de 10 mots. C'est tout ce qui concerne les procédés de mise en forme par enlèvement de matière. Les procédés d'usinage sont répartis en trois grandes familles, le tournage, le fraisage et le perçage. Tournage, coupe continue, dans certains cas coupe discontinue, comme par exemple l'écroutage de composants forgés. Fraisage coupe discontinue, puisque l'outil, en tout cas la plaquette, entre et sort continuellement de la matière. Et perçage coupe continue en milieu confiné, donc quelque chose de difficile à appréhender. L'usinage s'inscrit bien sûr dans un environnement technique très très complexe, hein, qui fait intervenir beaucoup d'éléments techniques, le porte-outil, l'expérience de l'opérateur, machine-outil, la matière usinée, bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui conditionnent au final l'enlèvement de matière. L'approche globale en usinage. Justement, en tenant compte de ces nombreux aspects techniques, hein, incarnés par la machine et les lubrifiants, par exemple, incarnés aussi par l'opération d'usinage ou les opérations d'usinage qu'on réalise mise en forme d'une pièce, ou les fonctionnalités du produit, ou alors les conditions particulières liées à ce produit, eh bien, une fois que toutes ces conditions-là techniques sont figées soit par le bureau d'études ou bureau méthode, eh bien, pour mettre au point au final l'opération d'enlèvement de matière, il reste deux choses, la matière, ses caractéristiques, et l'outil coupant et ses caractéristiques, et bien sûr les paramètres opératoires que l'on va utiliser lors de l'opération d'enlèvement de matière. Les autres paramètres sont a priori figés. En effet, on ne va pas changer de machine parce que l'opération dysfonctionne. On peut se le permettre dans certains cas particuliers, mais c'est quand même assez exclusif, voire très rare. Donc, il est fondamental de caractériser l'opération d'enlèvement de matière, hein, et notamment les paramètres opératoires, et tout ce qui s'y rattache, on verra juste après. Mais il est aussi important de bien considérer l'environnement technique dans son ensemble et de ne pas modifier un paramètre technique, justement, hein, comme par exemple le fournisseur de matière ou d'outils. Même si a priori ils sont les mêmes, le fait de changer de fournisseur peut amener une variabilité dans le process qui fait qu'on peut avoir des changements dans l'efficacité de l'opération d'enlèvement de matière. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche globale. Donc, quand on a figé l'environnement technique et qu'on souhaite caractériser le niveau de qualité et de productivité de l'opération d'enlèvement de matière, on s'attache à définir les bonnes conditions de coupe, les bons paramètres opératoires. Et ceci dépend essentiellement de l'action de sur la matière pendant l'usinage et donc des caractéristiques intrinsèques de la matière, donc l'homogénéité, la population inclusionnaire, les éléments de composition, l'état métallurgique et autres. Et pareil pour l'outil, composant à forte technicité, puisque l'efficacité de l'outil va dépendre de la nature de son substrat, de sa géométrie, de sa microgéométrie, du revêtement
etc. Donc, on le voit, ces deux éléments-là, associés à l'ensemble des paramètres techniques qui conditionnent l'opération d'un amont de matière, définissent le niveau de productivité et de qualité des opérations d'usinage dans un contexte où on doit toujours produire mieux et plus vite et moins cher. La physique de la coupe. L'outil rencontre la matière, il exerce un chargement mécanique d'abord et ensuite thermique. Thermique lié au frottement intense et à la vitesse de déformation de la matière. L'intérêt de comprendre ce chargement-là, de l'observer et de le maîtriser, c'est justement de maîtriser la qualité de la pièce, notamment les notions d'intégrité de surface, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Et aussi de maîtriser l'évolution de l'usure de l'outil coupant, donc les aspects technico-économiques qui gravitent autour de l'opération d'enlèvement de matière. Et cette maîtrise-là passe par une compréhension et une maîtrise du procédé, des conditions opératoires, du fluide de coupe et de la façon dont on utilise des matériaux outils coupants, la géométrie également d'outils coupants, du matériau usiné, de la géométrie outil, on a dit, et de la pièce. La vision théorique du processus de coupe. Lorsque l'outil rencontre la matière, le processus de coupe est conditionné par la section de coupe, et donc cela correspond à la zone liée à l'interaction du système d'usinage sur la matière usinée. Par voie de conséquence, la section de coupe est l'endroit stratégique qu'il convient de maîtriser sur le plan physique, chargement thermique et mécanique, donc chargement thermomécanique, pour que les objectifs qualitatifs, productifs et économiques puissent être atteints lors de l'opération d'usinage. On l'a vu tout à l'heure, l'usinage, c'est quelque chose d'excessivement complexe de par la technicité qu'il emploie, mais c'est aussi quelque chose d'excessivement complexe de par la physique à laquelle il a recours. Et là, on voit les différents domaines que l'on retrouve dans la physique de la coupe de l'enlèvement de matière. Donc, on a le domaine de la tribologie, donc tout ce qui concerne la nature du contact, outil-matière, donc les frottements outils-matière, tout ce qui concerne la dynamique du système usinant et tout ce qui concerne les aspects thermomécaniques, donc chargement et mécanique et thermique, donc effort et température. D'un point de vue théorique et physique, s'il y a bien une chose à retenir, ce serait probablement cette slide, puisqu'elle synthétise l'aptitude d'un matériau à être mis en forme, son usinabilité et surtout l'usinabilité lorsque l'outil rencontre la matière. Qu'est-ce qui se passe? En premier lieu, il y a un fort écrouissage de la matière, donc chargement mécanique. Par la suite, c'est la vitesse de déformation qui va commencer à conditionner l'opération d'enlèvement de matière. Puis se crée un adoucissement thermique, comme on l'a dit tout à l'heure, lié à la vitesse de déformation et au frottement intense subi par l'outil sur la matière ou subi par la matière lors du passage de l'outil. Ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, dans une section de coupe, lorsque l'outil rencontre la matière, on distingue cinq principales zones, bien que il est souvent évoqué les trois principales zones, les trois principales dans lesquelles se passe le plus des phénomènes observés, à savoir la zone de cisaillement primaire, celle qu'on voit en rouge sur l'image, la zone de cisaillement secondaire, celle qu'on voit en vert sur l'image et qui correspond au frottement du copeau sur la face de coupe de l'outil, et la zone en mauve que l'on voit sur l'image qui correspond au frottement de la face de dépouille sur la surface usinée. Cette surface-là varie en fonction de la géométrie de l'outil et des paramètres opératoires utilisés, donc la cinématique de l'opération. En principe, on essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus faible possible, faute de quoi on assimile au phénomène de talonnage, dont on verra les conséquences qu'il peut éventuellement avoir tout à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque l'outil rencontre la matière, alors c'est vraiment un ordre d'idée, puisque bien sûr, ça dépend
des paramètres opératoires du type de matériaux usinés et du type de matériaux usinants, mais pas que. Mais pour vous donner un ordre d'idée, dans la zone de cisaillement primaire, on a secondaire, pardon, et primaire, on a des pressions de contact qui sont de l'ordre du gigapascal avec des températures qui peuvent atteindre, voire excéder, même très largement, les 600 degrés. Monsieur Thiel, pardon de vous couper, je vous invite à bien parler proche de votre micro car nous vous entendons, il y a des variations de son. Pardon de vous couper, c'est juste pour vous informer. Merci monsieur. Dans la zone de cisaillement tertiaire, donc au niveau de la phase de dépouille, on peut avoir des pressions de contact de l'ordre de 100 MPa, donc un rapport important entre, bien sûr, les pressions de contact phase de coupe et phase de dépouille, et des températures uniquement liées au frottement et à l'inertie thermique de l'ordre de 400 degrés. Mais ce sont vraiment des ordres de grandeur. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est que environ, pour situer la chose, 80% de l'énergie produite en usinage résulte de ce qui se passe dans la zone de cisaillement primaire, donc ce qu'on voit en rouge dans l'image. 13% est lié à ce qui se passe dans la zone de cisaillement secondaire, donc frottement entre la phase de coupe et le copeau, et environ 3 à 5% entre ce qui se passe entre la phase de dépouille et la surface usinée. 15% de cette énergie-là est évacuée par l'intermédiaire de l'outil, 5% par l'intermédiaire de la pièce et environ 80% par l'intermédiaire de la matière que l'on vient d'usiner. Alors bien sûr, tout ça vaut pour des cas où on n'usine pas des matériaux fortement réfractaires, donc pour des cas relativement généralistes. Donc c'est des raisonnements adaptés bien sûr au type de matériaux qu'on usine et aux conditions dans lesquelles on l'usine. La vision pratique, pour faire le lien avec ce qu'on vient d'expliquer, serait de savoir comment, à partir de ces considérations physiques, c'est-à-dire comment, prenant en compte le type de matériaux qu'on usine et le type de matériaux qui usine et les moyens qui usine, comment on va faire pour réaliser les meilleurs choix des paramètres opératoires. Plusieurs solutions. Le fabricant du matériau usiné, bien, mais ça donne souvent une indication et un éventail trop large, malheureusement, de paramètres opératoires possiblement utilisables. Le fabricant d'outils, à peu près le même constat. L'opérateur de la machine, alors, bénéficie souvent d'une expérience très précieuse, mais parfois malheureusement trop partiale. Le bureau des méthodes, il bénéficie également d'une expérience très précieuse, mais parfois peut manquer de l'expérience de terrain. Et puis, bon, il y a d'autres sources de choix possibles. Le dénominateur commun entre tout ça, c'est les mathématiques, hein, de manière analytique et empirique, et la démarche du couple outil-matière qui fait référence justement à ces aspects mathématiques énergétiques qui visent à déterminer justement le domaine de fonctionnement optimal d'un outil coupant. De manière rationnelle et pragmatique selon une méthode normalisée, hein, la norme du couple outil-matière, rappelée ici, NFE 66520, organisée en fonction des principales familles d'usinage que sont le tournage, le fraisage et le perçage, et qui permet de manière structurée d'aborder la caractérisation de chaque couple outil-matière considéré. Donc ça, c'est la méthode, très bien. Les moyens pour accéder à la réalisation de ce type de méthode, ce type de caractérisation, ils peuvent être très nombreux puisqu'on peut avoir recours, comme ce qui se fait classiquement, à des tables dynamométriques, donc des tables dans lesquelles on retrouve des capteurs piézoélectriques qui, sous l'effet de la pression, délivrent une charge électrique qui va être convertie en effort. On peut également avoir des capteurs dans les membranes lorsqu'on est sur outils tournants.
On peut avoir des capteurs de vibration, on peut également se servir des signaux de la broche qui usine. On peut éventuellement, dans la mesure du possible, instrumenter l'outil coupant d'une sonde thermocouple, ou on peut intégrer des capteurs de force dans le porte-outil. Le CETIM le fait plutôt très bien. Donc, caractérisation physique en guise de bilan et de règle générale, il est important de rappeler quelques principes de base, à savoir que le coefficient spécifique de couple que l'on caractérise lors de la démarche du couple outil-matière et qui correspond à l'énergie nécessaire à l'outil pour cisailler la matière en cours d'usinage est influencé par la lubrification et la nature de la lubrification, son niveau de pollution, etc. Il est influencé par le revêtement, son aptitude à optimiser les frottements, à résister dans le temps, etc. Il est influencé par le listel et bien sûr le briscopo, donc tout ce qui concerne la microgéométrie, tout ce qui a un lien avec la microgéométrie de l'outil coupant. Et il est relativement peu dépendant de la vitesse de coupe lorsque justement la vitesse de coupe ou même l'avance hein, par tour est comprise dans le domaine de fonctionnement optimal identifié lors de la démarche. Également peu dépendant de la nuance intrinsèque de l'outil coupant lorsque celle qui est choisie est en adéquation avec le matériau et les conditions d'usinage. Il est influencé par l'acuité d'arrêt, donc la microgéométrie, donc la façon dont va résister l'arrêt de coupe au chargement thermique et mécanique intense dans la zone de coupe, la façon dont il va résister dans le temps, et peu dépendant de la profondeur de passe, lorsque celle-ci, bien sûr, est choisie dans de bonnes conditions, dans des conditions objectives et réalistes. Donc maintenant, tout ce qui concerne la partie usinée, donc la matière, les classes matières. Pourquoi les classes matières? Une classe matière permet de pouvoir réaliser des choix d'outils coupants et des conditions de coupe fiables en fonction d'un classement normalisé du matériau usiné. L'usineur doit disposer de données de base fiables afin d'éviter de devoir analyser systématiquement l'usinabilité des matériaux qu'il transforme. Pour cela, une méthodologie de classement des matières permet un regroupement par famille. Donc ça, c'est la définition officielle qui permet en fait d'organiser le monde de la métallurgie. Deux matières différentes appartiennent à la même classe si un outil coupant peut techniquement usiner ces deux matières et être employé avec les mêmes conditions de coupe pour deux matières différentes ou évolue de manière linéaire en fonction de la résistance mécanique. Pardon. Donc, les familles de matières sont classées selon la norme ISO 513, selon six familles: P, acier à copeaux longs, inox ferritique et martensitique, M, inox austénitique, K, ferreux à copeaux courts, N, métaux et alliages non ferreux, S, alliages réfractaires, H, acier et fonte trempée. Donc, c'est certainement des familles avec lesquelles vous êtes familier. L'usinabilité, c'est un concept qui répond à quelque chose de relativement précis, à savoir qu'il concerne l'aptitude d'un matériau à être mis en forme. Cette aptitude, justement, dépend de principaux axes, on va dire, du système usinant, tout ce qui concerne le type de machine-outil utilisée, sa rigidité, sa vétusté, sa puissance, sa cinématique, etc. Et puis tout ce qui concerne la matière usinée et la matière usinante, donc les propriétés thermiques, chimiques et mécaniques de la matière que l'on usine et de la matière qui est usinée, qui usine, pardon. Donc d'un point de vue physique, on retrouve là une image prise en coupe orthogonale hein, qui reprend un peu ce que vous avez vu tout à l'heure de manière schématique. Donc, dans la zone en rouge, entourée en rouge, on retrouve cette zone de cisaillement primaire, donc contact outil-matière, hein, zone dans laquelle on retrouve les contraintes probablement les plus complexes, hein, puisqu'on retrouve dans cette zone-là des déformations dites élasto-visco-plastiques, donc à la fois élastiques,
à la fois avec de la viscosité et à la fois avec de la plasticité. Donc, dans cette zone-là, la matière travaille sous l'effet du chargement thermomécanique de l'outil, travaille en cisaillement. Dans la zone de cisaillement secondaire, on retrouve un contact là qui est uniquement glissant, donc un travail de frottement du copeau sur la face de coupe. Dans la zone tertiaire, là, on retrouve un comportement un peu spécifique, puisqu'on retrouve bien sûr un travail de frottement de la phase de dépouille sur la surface que l'on vient d'usiner, donc en quelque sorte un effet de rodage, donc un contact purement glissant. Et on retrouve également un travail d'écrouissage de l'outil, donc la surface de dépouille écrouille la surface que l'on vient d'usiner. Hein. Voilà. Et puis, il y a une zone dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est la zone jaune. Et pourquoi on n'en a pas parlé? Tout simplement parce que c'est une zone, on va dire, un peu plus anecdotique, puisque là, elle est modélisée donc en jaune, elle est entourée en jaune. Mais dans la réalité, elle est très, très petite. C'est une zone que l'on appelle zone de forte pression hydrostatique, dans laquelle le comportement est adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange avec les autres zones primaire, secondaire ou tertiaire, tout simplement parce que les phénomènes qui s'y passent sont certes très intenses, mais sont surtout très, 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 très rapides. Voilà. Donc, d'un point de vue métallurgique, ce qui influence l'aptitude d'un matériau à être mis en forme, c'est typiquement les caractéristiques mécaniques et avec elles, donc, l'allongement, la sensibilité à l'écrouissage, la résistance mécanique. Aussi les caractéristiques physico-chimiques, donc la conductivité thermique, la compatibilité métallurgique, et enfin la structure de la matière, donc tout ce qui concerne les grains, les inclusions et la composition de la matière. Donc vous voyez déjà bien qu'à travers ces explications-là, si on veut maîtriser l'opération d'enlèvement de matière, donc obtenir une bonne qualité d'usinage, à la fois dimensionnelle et géométrique, avec un bon niveau de productivité et de durée de vie, il faut aussi maîtriser les aspects métallurgiques de la matière que l'on usine. Donc, éviter typiquement d'avoir des problèmes d'homogénéité, d'avoir des problèmes inclusionnaires, d'avoir des problèmes liés à des défauts quelconques qui peuvent être liés à un mode d'élaboration de la matière, par exemple. Ou éviter d'avoir une composition de la matière dans la mesure du possible, hein, bien sûr, d'avoir une composition de la matière qui fasse que l'usinage devient compliqué, pour ne pas dire parfois presque impossible. La notion d'intégrité de surface que l'on retrouve lorsqu'on évoque l'usinabilité, eh bien, c'est un concept, l'intégrité de surface, qui est un moyen de spécifier l'état des couches sous-jacentes à la peau de la pièce. Il permet d'évaluer l'influence sur le matériau usiné des procédés de mise en forme par coupe et par abrasion, donc par enlèvement de matière. Les spécifications qui définissent le concept d'intégrité des surfaces concernent généralement les pièces mécaniques fortement sollicitées où la fiabilité ne dépend pas que du seul critère de résistance mécanique, mais des états antérieurs, obtention des brutes, usinage, traitement thermique et thermochimique, et des sollicitations en cours de fonctionnement. Pardon. Donc, il faut remarquer et constater que les normes actuelles omettent de définir dans leur descriptif concernant l'intégrité de surface des paramètres tels que les bavures, les fissures, les brûlures ou les couches blanches. Pour autant, ces éléments sont prépondérants dans la non-qualité finale de la pièce. La notion d'intégrité de surface a pour objet de représenter des paramètres liés aux états de surface, à l'aptitude ou aux aptitudes fonctionnelles de la pièce, aux propriétés fonctionnelles de celle-ci, aux aspects physico-chimiques et aux aspects géométriques, macrogéométrie et microgéométrie. Donc, dans cette notion d'intégrité de surface, on retrouve quelque chose de bien connu, à savoir les contraintes internes dans une pièce, et celles-ci peuvent être liées à différents facteurs, hein, les sollicitations chimiques, thermiques et mécaniques de la matière, que ce soit lors de l'élaboration de celle-ci ou lors
de la mise en forme de celle-ci, les caractéristiques du matériau, on en a parlé tout à l'heure, et on l'a dit en préambule, les modes d'élaboration. Donc, tout ce qui concerne le dépôt, l'usinage, l'assemblage, les traitements thermiques, la mise en forme, etc. etc. Les contraintes d'élaboration de la matière brute peuvent être modifiées ultérieurement, d'une part par les traitements thermiques, les traitements de parachèvement et d'autre part par les sollicitations de fonctionnement. En usinage, les contraintes internes peuvent également être maîtrisées, donc les contraintes internes de traction en optimisant la notion de fragmentation de la matière, les contraintes internes de traction en évitant une élévation en température trop importante de la zone de coupe, typiquement en choisissant les bons paramètres opératoires, éventuellement le bon type d'assistance de l'usinage, en définissant également pour ce qui concerne les contraintes de compression, contraintes internes de compression, en définissant des paramètres process optimaux. Donc là, on fait plus référence à tout ce qui concerne la cinématique de l'opération, donc la géométrie outil en travail, dont on aura l'occasion de discuter un petit peu juste après. Et puis les contraintes internes de compression en choisissant une géométrie de coupe, angle de dépouille adapté aux paramètres opératoires qu'on s'apprête à utiliser. Donc, tout ceci résulte d'un compromis. La maîtrise des états de surface, qui fait également partie intégrante de la notion d'intégrité de surface, donc, concerne les surfaces usinées résultant de quelques processus d'usinage que ce soit, sont caractérisées par des défauts, des écarts par rapport à un référentiel nominal, des dessins techniques. Les différents aspects de la surface, effet macro, géométrie, tolérance, état de surface, influence de la tenue en service, sont conditionnés par une norme, hein, NFE 04552 et NFE 05016. Donc, il s'agit là de l'une des normalisations qui encadre justement ces notions d'intégrité de surface. Donc, en enlèvement de matière, la qualité obtenue ou souhaitée dépend bien sûr du coût qu'on est capable d'allouer à l'opération d'enlèvement de matière, à l'opération au pluriel comme au singulier, puisque ça va être essentiellement dépendant des moyens et du temps d'usinage d'enlèvement de matière. Et donc, on a là quelques ordres d'idées qualité d'usinage qu'il est capable d'atteindre en fonction de différents procédés d'usinage en élément de matière. Dans la pratique, l'usinabilité des aciers va surtout, en tout cas les aciers carbone, va surtout dépendre du taux de carbone hein, dans le composé. Donc, c'est-à-dire que plus la présence de carbone va être importante, plus l'usinabilité risque de se compliquer lié au fait que la résistance mécanique va augmenter et l'allongement, lui, va proportionnellement diminuer. Donc, dans la mesure du possible, pour optimiser l'usinabilité, le taux de carbone peut être une variable à prendre en considération, dans la mesure du possible, bien sûr. L'usinabilité des aciers inoxydables est à prendre en considération et surtout, il faut veiller à usiner avec un lubrifiant d'OPEP, extrême pression, avec des machines, si possible, rigides pour éviter tout phénomène de perturbation dynamique, donc vibration, avec des outils ayant une bonne, en tout cas la meilleure coupe possible. Donc, on entend par coupe tout ce qui concerne la géométrie de coupe, donc angle de coupe et microgéométrie, donc tout ce qui concerne le coupant, donc l'arête de coupe. En évitant également, si possible, les reprises d'usinage qui sont source d'écouissage local. L'usinabilité des alliages réfractaires au sens large, qui inclut certains inox et certains alliages de titane, c'est des alliages qui ont des propriétés spécifiques, bien sûr, et qui sont utilisés pour ça, et notamment la conservation des propriétés mécaniques à haute température. Mais typiquement, ces propriétés-là peuvent poser des problèmes lors des processus d'enlèvement de matière. Typiquement parce qu'ils
parce qu'il génère des forces de coupe élevées et des chargements aussi thermiques élevés, voire très élevés sur l'outil coupant, ce qui a tendance à la fois à limiter la productivité et la durée de vie des outils coupants. Résistance élevée au cisaillement, donc force de coupe élevée, parfois plus élevée que la normale, mauvaise conductivité thermique, on en a parlé, haute température de coupe. Et donc, pour reprendre un peu le schéma tout à l'heure, à la place d'évacuer quelque chose comme 10 à 20% de calories par l'outil coupant, on risque d'en évacuer beaucoup plus. Et on évoquera tout à l'heure ce phénomène-là et pourquoi ça peut poser problème. Donc, tendance à l'écrouissage également, avec des usures en entaille, souvent spécifiques de ce type d'application. Inclusion de particules dures, donc de carbure, haute température de coupe et chargement ponctuel mécanique plus élevé. Donc, apte à la trempe, dureté jusqu'à 46 HRC, donc des matériaux parfois durs. Donc, haute température de coupe, donc, tendance à provoquer une haute température de coupe. Donc, le bilan, c'est que c'est souvent des matériaux qui présentent des productivités limitées, des risques d'usure accélérés, risques de problèmes qualité, entre autres. Pour ça, il existe des solutions. La cryogénie peut en être une. Adapter l'outil coupant peut en être une autre. Adapter les paramètres opératoires ou d'autres. Très bien, donc on a évoqué le couple outil-matière tout à l'heure comme étant une méthodologie effectivement qui permet de caractériser le domaine de fonctionnement optimal pour un couple outil-matière considéré. Et cela se fait à partir bien sûr d'une méthodologie structurée dont on a pu voir l'aperçu tout à l'heure, en vérifiant quoi? Bien sûr l'évolution du coefficient spécifique de couple lorsqu'on leur fait varier les paramètres opératoires. Et aussi en analysant ce qu'on appelle le contrôle copeau, c'est-à-dire la façon dont on va se fragmenter la matière, à savoir que la fragmentation matière est la première réponse visuelle hein, finalement de ce qui se passe pendant l'opération d'enlèvement de matière, et ça traduit déjà pas mal de choses. En observant également les états de surface, hein, tout ce qui concerne les RA, RT, RZ, etc., le débit copeau hein, pour une durée de vie donnée, analyser la façon dont il évolue en fonction de la variabilité des paramètres opératoires, et puis analyser bien sûr les efforts de coupe qui permettent de calculer les coefficients spécifiques de coupe. Je dis les coefficients spécifiques de coupe puisqu'il y a un cas particulier en usinage où on utilise non pas un mais deux coefficients spécifiques de coupe. C'est le cas du perçage, donc on verra tout à l'heure si besoin est, j'expliquerai pourquoi. Mais pour le cas du perçage, on a à la fois le coefficient spécifique de coupe KCC et le coefficient spécifique de coupe lié à l'amance KCF, dont il faut tenir compte lors de l'analyse et de l'identification du domaine de fonctionnement optimal de l'outil coupant. La partie usinante, cette fois-ci, donc l'outil coupant. Un outil coupant, il doit être peu cher et il doit usiner longtemps, dans la mesure du possible. Donc, il doit produire un travail qualitatif, quantitatif et productif. Les outils coupants ont possédé certaines propriétés, dont bonne résistance à la pression, prix de vente, on l'a dit, le plus bas possible, bonne résistance au choc, ténacité, bonne résistance à la pénétration, dureté, bonne résistance mécanique au frottement, résistance à l'usure, faible adhésion avec le matériau usiné, sous haute pression et haute température, grande stabilité chimique vis-à-vis du matériau usiné et de l'atmosphère environnante, air liquide de coupe, bonne résistance à la chaleur, conserver ses propriétés à haute température. Donc on le voit, c'est un produit qui doit être très technique finalement. Pardon. Donc, l'outil coupant, c'est quelque chose qui relève et qui a évolué grâce aux progrès réalisés via la métallurgie des poudres hein, et qui doit être à la fois dur et tenace. Et donc, l'idéal se situerait sur le schéma en haut à droite. Mais cet idéal-là n'existe pas encore. Peut-être n'existera-t-il jamais, puisqu'en métallurgie, eh bien, on a toujours un compromis entre dureté et ténacité. Un outil ne peut pas être extrêmement dur et extrêmement tenace à la fois.
il peut être un compromis des deux uniquement. Mais avant d'être un compromis entre dureté et ténacité, il doit surtout être résistant et présenter des caractéristiques intéressantes de dureté et de ténacité à chaud. Pourquoi à chaud? On a dit tout à l'heure, c'est lorsque l'outil va frotter et lorsque la matière va se déformer, surtout à haute vitesse, eh bien, tout cela va être source d'élévation en température dans la zone de coupe et donc va assujettir l'outil à des températures très élevées. C'est pourquoi, habituellement, la règle, bien qu'elle ne soit pas universelle et absolue, est de choisir un outil coupant 3 à 5 fois supérieur en termes de dureté par rapport à la matière que l'on usine. Donc, la dureté n'est pas constante, hein, on l'a dit, et elle évolue en fonction de la température, ce qui est vrai pour toutes les pièces mécaniques. Il est donc fondamental de choisir à la fois un bon substrat et un bon revêtement dont la dureté à chaud est très supérieure à celle du matériau usiné. Un outil coupant, c'est certes, il puise son efficacité dans le substrat qui est employé, mais il puise aussi et surtout son efficacité dans la géométrie que l'on utilise. Et la géométrie d'un outil coupant peut être complexe, puisqu'elle se distingue en trois axes, on va dire. La forme globale d'une plaquette ou d'un outil, donc son enveloppe. La microgéométrie, donc tout ce qui est lié à la rugosité, donc les états de surface, des surfaces en contact lors des frottements, par exemple. Du chargement mécanique, des chargements mécaniques. Tout ce qui concerne le rayon d'arrêt, sa forme, ses dimensions, tout ce qui concerne le listel, etc. Et il y a le dernier point, à savoir la macrogéométrie, ou plus communément appelée la géométrie de coupe, donc tout ce qui concerne les principaux angles de coupe, angle de dépouille, angle d'attaque, etc., etc. Les différents matériaux à outils coupants, on le voit, ils sont quand même assez nombreux, ils répondent à des spécificités bien particulières, à savoir que ils peuvent être très durs, mais mal résistés à la température, ou inversement, peu durs, donc très tenaces et résistés plus à la température, ou alors être très durs, comme les céramiques, et bien résistés à la température. Bref, tout est fonction des caractéristiques que l'on souhaite et que l'on peut mettre en œuvre. Cela étant dit, le substrat le plus courant dans le milieu de l'usinage par enlèvement de matière reste le carbure de tungstène alliant cobalt que l'on voit dans le centre de l'image, hein, qui incarne la population la plus importante probablement d'outils coupants. Justement, les caractéristiques mécaniques d'un outil coupant en carbure de tungstène liant en cobalt résultent de l'association de crins durs, les carbures de tungstène WC, et de la substance liante qui donne la résistance au choc, donc la ténacité, et qui est induite par l'effet du cobalt dans le mélange. Donc, plus on a de cobalt, moins on a de substance dure, donc plus on va avoir une plaquette tenace, donc résistante au choc, mais moins résistante à l'usure, notamment par abrasion par exemple. En fonction de leur élaboration, de leur constitution, les différents matériaux à outils coupants possèdent des caractéristiques mécaniques variées, couvrant les besoins les plus exigeants. Afin de bien choisir le matériau constituant la partie active de l'outil coupant, il est nécessaire de connaître la particularité de chaque produit proposé. Les différents revêtements d'outils coupants qui peuvent contribuer également à l'efficacité du processus d'enlèvement de matière. Un revêtement pourquoi? Dans certains cas particuliers, ça peut prêter à sourire. Un revêtement, c'est uniquement pour des raisons de look et donc de marketing. Ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, heureusement, c'est pour optimiser le coefficient de frottement, donc le faire chuter le plus bas possible,
pour que l'outil glisse le mieux possible au moment où il cisaille la matière. Un revêtement, c'est aussi pour augmenter, dans la mesure du possible, la dureté superficielle de l'outil coupant, pour optimiser sa durée de vie, et notamment dans les procédés d'usinage par enlèvement de matière fortement abrasif, par exemple les aluminiums siliciés. Et il y a une troisième théorie technique qui est de servir d'isolation thermique de l'outil coupant pour optimiser la durée de vie en limitant l'usure par diffusion chimique. Alors, c'est une explication avec laquelle moi, je suis moins d'accord, on va dire. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure si ça revient en question. Voilà. Les caractéristiques d'un revêtement, bien à l'instar d'un outil coupant, ils doivent être à la fois durs, résistants à l'abrasion, à l'adhésion, tenus à une température, à la température de coupe la plus élevée possible, résistent à l'oxydation et optimiser le coefficient de frottement. Donc, ils peuvent être monocouches ou multicouches en fonction des cas de figure et des exigences techniques souhaitées. Les revêtements, c'est bien sûr des caractéristiques liées à la nature intrinsèque des éléments qui le composent, mais c'est aussi des caractéristiques liées au type de dépôt sur le substrat. Et ils peuvent être de trois sortes différentes, les dépôts CVD, les dépôts PVD et les dépôts MTCVD. Donc, le recours à l'un ou à l'autre dépend du type de substrat et de son aptitude à résister à la chaleur et des caractéristiques que l'on souhaite amener en termes d'épaisseur, donc de couches que l'on souhaite cumuler ou pas. Voilà. La géométrie des outils coupants, puisque il y a effectivement la nature du substrat et du revêtement, mais il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, la géométrie de l'outil de coupe, donc la forme de son enveloppe, la géométrie de coupe, donc tout ce qui concerne les angles de coupe, angles de dépouille, et puis la microgéométrie. Donc là, il existe trois principales formes, que l'on appelle d'ailleurs full radius, flat et waterfall, sous différentes dimensions. Donc ça, c'est des préparations que l'on peut éventuellement voir avec son fabricant d'outils pour les adapter le plus et le mieux possible à chaque cas particulier, pardon, lorsque ça le nécessite. C'est un paramètre important qui peut être une source d'optimisation importante du process d'usinage dans les mondes de matière. On l'a dit tout à l'heure, travailler sur la microgéométrie, c'est travailler à l'endroit de là où on génère à peu près 80% de l'énergie en usinage. Donc la géométrie de coupe, angle de dépouille, rayon de bec, etc., possède un rôle important sur l'aptitude, donc sur l'efficacité de l'outil coupant à cisailler la matière en deux, donc séparer la matière brute de la matière usinée, et à fragmenter la matière. Fragmenter la matière pour évacuer les calories, éviter les risques de recyclage copeaux, etc. La géométrie de l'outil coupant a un impact direct donc sur la qualité, capacité à obtenir les dimensions et l'état de surface souhaité, ainsi que sur la productivité et la durée de vie. Pardon. Capacité à optimiser la nature du contact, outil, matière. La géométrie d'un outil coupant est employée pour mieux cisailler et fragmenter la matière usinée. Et donc, la fragmentation du copeau permet, on l'a dit tout à l'heure, d'éviter le recyclage copeau, d'éviter le bourrage copeau, cas du perçage, mais pas que, d'éloigner de l'outil coupant et de la pièce usinée la chaleur générée par la coupe, cas des matériaux non réfractaires. Cela permet donc d'augmenter la qualité de l'usinage et la durée de vie de l'outil coupant. C'est ce qu'on a vu par anticipation dans les slides précédents. La géométrie d'outils est quelque chose de complexe, à la fois parce qu'elle incarne et la capacité à l'exécuter sur l'outil. C'est pas toujours simple de réaliser une géométrie complexe. Preuve en est les outils de fraisage carbure monobloc qui nécessitent
des moyens complexes pour réaliser les outils coupants. Mais c'est aussi quelque chose de complexe parce que, en fait, cette géométrie-là, elle va évoluer pendant l'opération d'enlèvement de matière eu égard aux paramètres opératoires que l'on utilise. C'est pour ça que la norme qui définit la géométrie d'un outil coupant, NFE 66502, fait bien le distinguo entre la géométrie de coupe outil en main, c'est-à-dire statique, et la géométrie de coupe outil en travail, c'est-à-dire la géométrie effective de l'outil en tenant compte des paramètres opératoires, donc de la vitesse de coupe que l'on a choisie et de la vitesse d'avance que l'on a choisie. Et donc, typiquement, la géométrie de coupe associée aux paramètres opératoires, un mauvais choix cumulé de la géométrie de coupe et de mauvais paramètres opératoires, pardon, peut par exemple être source du phénomène de talonnage, c'est-à-dire un frottement beaucoup trop intense de la phase de dépouille avec la surface que l'on vient d'usiner, pour provoquer quoi ? Eh bien, des défauts sur la pièce, trop de contraintes internes, par compression en l'occurrence, trop d'échauffement, une usure prématurée ou accélérée de l'outil, et puis des défauts dimensionnels et géométriques éventuellement. Mais pas que. L'usure des outils, justement, il convient de la maîtriser dans le temps afin que celle-ci, il convient de la maîtriser en la comprenant afin qu'elle soit répétable. Pour justement faire de la maintenance préventive et non curative. Donc, le tranchant de l'outil coupant, lui, est soumis à des sollicitations mécaniques et thermiques très sévères qui provoquent son usure et sa détérioration dans un temps relativement limité. L'étude de l'usure des outils coupants permet de prédéterminer le mode d'usure et le moment où la partie active devra être changée ou réaffûtée. On retrouve là cette notion de maintenance prédictive ou curative. L'usure agit notamment sur l'état de surface, les contraintes résiduelles, la fragmentation des copeaux, le respect des codes dimensionnels, les efforts d'usinage et la puissance de coupe consommée par la broche. Donc, ça agit sur tout ce qui conditionne finalement l'efficacité de l'opération d'usinage. Les usures d'outils peuvent être décrites de plusieurs manières, à savoir par la quantification du type d'usure, donc VB ou KT, hein, usure en dépouille ou usure en cratère, par les phénomènes d'usure, donc abrasion, diffusion, adhésion, oxydation, et par les types d'usure. Donc, usure en dépouille, usure en cratère, usure en entaille, écaillage, fissure en peigne, effondrement, d'arête, déformation plastique, etc. Donc, la mise en hors service d'un outil coupant peut être provoquée par des phénomènes mécaniques et ou physico-chimiques. Lorsque la température s'élève de trop, par exemple, il peut y avoir un transfert de matière entre et la matière usinée ou entre la matière usinée et l'outil, c'est le cas de l'arête rapportée par exemple, et donc ça peut dégrader rapidement voire prématurément l'outil coupant et aussi la pièce que l'on usine. Donc c'est typiquement ce que l'on souhaite éviter. Et comment l'éviter? En utilisant à la fois l'outil et un bon substrat ainsi qu'une bonne géométrie, mais en utilisant aussi et surtout les bons paramètres opératoires. Les différents types d'usure, les manifestations de l'usure permettent d'apprécier l'évolution de l'usure en fonction de divers paramètres géométriques mesurables, dont les principaux sont décrits par la norme du couple outil-matière, que l'on rappelle ici, NFE 66520, je rappelle, qui est décrite pour les trois principaux procédés d'usinage, tournage, perçage et fraisage. Donc, on décompte pas moins de 8 types d'usures différents, et ceux qu'on retrouve le plus souvent sont les usures en entaille, hein, on en a parlé tout à l'heure pour le cas des matériaux inox, les usures par écaillement et fissuration, et les incontournables
usure en cratère et KT et usure en dépouille VB. Pourquoi je précise incontournable? Tout simplement parce que lorsque vous usinez, cisaillez et fragmentez la matière, le copeau que vous générez frotte sur la face de coupe et va par nature générer un cratère. De même, l'outil aura sur sa face de dépouille toujours une surface minimum de contact avec la matière que l'on usine. C'est pour ça que l'on parle d'usure en dépouille VB. Le distinguo entre ces deux types d'usure, c'est que l'usure en cratère se mesure sur la hauteur de la profondeur du cratère, donc la hauteur, pardon, de la profondeur du cratère. Quelque chose d'assez difficile à mesurer directement sur l'outil de production ou au pied d'une machine, à l'inverse de l'usure en dépouille qui correspond en fait au recul de l'arête de coupe, qui se mesure beaucoup plus facilement, on va dire, soit directement sur l'outil de production ou soit juste à côté avec des moyens un tout petit peu spécifiques. Donc, maintenant que l'on a réalisé un tour plus ou moins exhaustif en guise d'introduction, parce que malheureusement, on n'a pas eu le temps d'approfondir en 1 heure, voire un peu plus, les différents sujets qui encadrent justement la coupe dans les usinages par enlèvement de matière, on va évoquer ce sujet-là par le prisme du CETIM en évoquant l'origine du contenu de cette web découverte. Donc, on a dit en propos introductif, cette web découverte est issue d'une formation, une masterclass que j'ai initiée au CETIM hein, sur le sujet spécifique de la coupe, qui dure 3 jours et dont on verra quel est le contenu juste après. Et qui va en fait beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ce qu'on vient d'évoquer. Bien sûr, on rentre dans le détail, hein, pourquoi le cobalt va avoir une influence à la fois sur la dureté, la ténacité, mais pas que, sur l'aptitude à un outil à résister à la chaleur, par exemple. Et puis, c'est aussi une masterclass au cours de laquelle on réalise des TP de mise au point process par l'intermédiaire de la démarche du couple multimatière, en ayant des échanges aussi sur eh bien, tous les tests de caractérisation expérimentale que l'on peut nous réaliser au CETIM. Donc, un partage d'expérience sur nos activités quotidiennes, mais au pied d'une machine, sur la base de grandeur physique tangible. Et puis, c'est aussi une web découverte et une masterclass qui s'appuie sur un guide que j'ai réalisé, qui reprend le contenu de la masterclass, de manière un peu moins exhaustive et avec, bien sûr, pas les explications que l'on peut retrouver lors de la présentation orale, mais qui donne quand même un aperçu, assez précis finalement de cette notion de coupe en usinage par enlèvement de matière et de l'influence qu'elle peut avoir en tenant compte de la physique sur tous les aspects techniques, qui encadrent le processus d'enlèvement de matière. Donc ça, c'est un document qui est téléchargeable en accès libre. J'insiste bien là-dessus parce que vous demandera malgré tout de procéder à une inscription. Mais même si vous n'êtes pas cotisant en CETIM, vous pouvez avoir accès en téléchargement à cet ouvrage. N'hésitez pas à aller le télécharger et éventuellement à soumettre vos suggestions d'évolution pour que dans une version ultérieure, on adapte le document et qu'on le complète encore. La masterclass coupe, justement, elle a pour objectif général d'optimiser la robustesse des usinages en approfondissant la connaissance d'axes techniques de premier ordre dont la coupe. L'usinage n'est pas uniquement un sujet technique. L'usinage ne se résout pas uniquement grâce à des méthodes de type MDEC ou Lean Manufacturing ou je ne sais pas quoi d'autre. L'usinage, avant d'être technique, c'est quelque chose de physique. On a vu tout au long de cette rapide présentation quelque chose de physique lié aux aspects thermiques et mécaniques qu'il convient de maîtriser. Donc, comprendre les notions physiques de base dans la zone de coupe et en tenir compte dans les différents processus de décision. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout dédié à un domaine d'expert. C'est quelque chose qui concerne tout le monde, tout le milieu de la production industrielle de composants mécaniques par usinage,
que ce soit les bureaux méthodes, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les technico-commerciaux éventuellement, que ce soit les acheteurs, bref, tous les gens qui ont une influence directe ou indirecte sur la mise en forme, par enlèvement de matière, d'un composant mécanique. Et donc, ça implique comme savoir-faire d'être capable de mieux choisir les paramètres process, pré-industrialisation, industrialisation, et d'être capable d'appréhender le rôle et les enjeux de la coupe sur les paramètres techniques environnement, toujours dans l'optique de faire les meilleurs choix possibles. Les enjeux, c'est contribuer à accompagner l'entreprise dans sa volonté de développement afin de conserver un avantage concurrentiel, contribuer à améliorer le dialogue technique entre les professions de la production industrielle du groupe. C'est quelque chose qui est très important puisque parfois, par exemple, un usineur va avoir du mal à s'expliquer avec la R&D métallurgie ou avec les acheteurs, par exemple. Donc là, peut-être que les uns et les autres vont trouver un vocabulaire commun sur la base de connaissances communes pour échanger, améliorer et optimiser plus rapidement finalement les opérations d'usinage, contribuer clairement à améliorer le dialogue avec les fournisseurs et les sous-traitants. Pardon. Considérer la coupe, c'est aussi considérer ce sujet-là à part entière, permet incontestablement de contribuer à augmenter la compétitivité industrielle. Cela passe donc concrètement par la fiabilisation des usinages, la réduction des coûts de production, l'optimisation des conditions de coupe, dimensionnement optimal des outils de production, meilleure maîtrise des fluctuations des matériaux usinés-usinants, capitalisation des données de production et des phases de mise au point, bref, tirer le meilleur rendement de l'opération d'enlèvement de matière dans le contexte particulier qui est le vôtre et qui dépend à chaque fois de la situation unique qui est la vôtre, vétusté machine, type d'outil utilisé, type de matière utilisée, conditions atmosphériques, atelier chaud, froid, variabilité importante. Bref, toutes ces conditions-là qui font qu'il n'existe pas une méthode universelle et une réponse universelle, mais une méthode au cas par cas. Le contenu de la masterclass il se décline de la manière suivante. Un tronc commun, possiblement exécutable avec un maximum de 10 personnes en session. Pourquoi un maximum de 10 personnes en session? C'est parce que justement, au-delà, ça devient en termes d'échange, ça peut devenir la cohue parce qu'il y a souvent beaucoup d'échanges et des échanges vraiment très, très intéressants. Donc, un tronc commun autour de différents axes, démarrage, introduction, approche globale de la coupe, physique de la coupe, partie usinée, partie usinante. Donc, typiquement, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus approfondie puisque vous le voyez, ça se fait au pas de course sur 2 jours. Donc, vous imaginez le contenu qu'il peut y avoir derrière. De manière optionnelle, on peut rajouter tout ou partie de ces 3 modules, c'est-à-dire un module assez complet sur les assistances de l'usinage, tout ce qui concerne les fluides de coupe, quel type de fluide de coupe, quelle pression utiliser pour évacuer quelle quantité de calories, etc. Une introduction à l'usinage 4.0, essayer de mettre des mots et des solutions techniques et technologiques derrière cette thématique très largement galvaudée aujourd'hui, puisqu'on met tout et n'importe quoi derrière l'usine du futur et l'usinage 4.0. Les critères de choix d'une machine-outil. Donc là, on aborde le prisme de la coupe, donc sous le prisme énergétique, un peu les choix qui peuvent en découler d'un point de vue cinématique, d'un point de vue énergétique, bref, de tous les points de vue qui caractérisent le système usinant, donc la machine d'usinage, donc broche, cinématique, etc., etc. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, une session de mise au point paramètres process avec des moyens d'acquisition de grandeur et de données physiques, puissance, effort, température éventuellement, vibration, en fonction de là où on réalise chez vous ou chez nous au CETIM la formation et les possibilités qu'on a d'exécuter cette partie-là.
donc avec un maximum de 5 personnes autour de la machine pour les mêmes raisons que la formation en salle. Au-delà, ça peut devenir compliqué. Le setting, c'est aussi plusieurs prestations dédiées autour de la coupe, mais pas que, pour de l'expertise et du conseil, donc expertise de procédés, de choix des matériaux et des moyens, simulation numérique, analyse de défaillance, procédés, de l'accompagnement et de la formation, donc transfert de connaissances, mise en œuvre des procédés, intégration industrielle, industrialisation innovante, qualification équipement et fournisseurs, formation métier, diplômante certifiante. Et puis, c'est aussi un troisième axe fort, tout ce qui concerne la R&D et les essais, de caractérisation, développement de procédés innovants, faisabilité technico-économique, optimisation, process. Donc, caractérisation et validation de process innovants, usinage assisté, usinage CFAO, usinage électrochimie, parachèvement, usinage robotisé, finition de surface, accompagnement à l'industrialisation, formation CETIM Academy, ça, ce sont de toute façon des choses que je vous invite à redécouvrir ou à découvrir dans les supports qui vous seront communiqués. Donc, de nombreux événements proposés, que ce soit au travers des web découvertes, des rendez-vous de la mécanique ou d'autres, et que vous retrouverez à votre guise sur le site de la mécanique via ces différents onglets ou en naviguant de manière un peu plus large sur le site. Tout en sachant qu'on communique également sur les réseaux sociaux et en l'occurrence LinkedIn. Et donc, c'est aussi une contribution, bien sûr, aux articles techniques de l'ingénieur auxquels on est associé pour réaliser ce webinaire. Donc, dans lesquels articles, vous retrouverez des contributions importantes des experts CETIM sur différents sujets. Voilà, donc je n'ai fini pour ma part avec un timing plus ou moins respecté d'1 heure 5 minutes. On peut passer aux questions et aux réponses si vous en avez et si je peux vous les fournir. Si tel n'est pas le cas, si je ne peux pas vous fournir la réponse qui convient, je m'engage à vous répondre dans le cadre d'un échange mail après avoir approfondi le sujet. Voilà, je vous repasse la main, Monsieur Souma. Merci, Monsieur Thiel, pour cette présentation. Avant de passer aux questions-réponses, j'invite tous nos participants à répondre à ce micro-sondage de satisfaction. Merci pour votre participation. Je vous invite à nouveau à répondre à cette dernière question. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Thiel, quels pourraient être les leviers techniques et technologiques qui peuvent accompagner dans les années à venir les évolutions de la production par usinage? Bien, c'est justement tout ce qui concerne les nouveaux moyens de technologiques numériques qui permettent l'acquisition de données, donc de s'inscrire dans cette mouvance du big data, de la collecte de données,
pour maîtriser en temps réel ou quasi réel finalement les usinages et éventuellement les adapter au cas par cas en fonction des situations. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Pour bien comprendre et faire écho à la première question, les technologies émergentes d'usinage intelligent vont-elles s'appuyer sur ces indicateurs physiques, effort, température, puissance de la coupe ou sur d'autres données de production? Précisément oui, puisque on le voit déjà maintenant, toutes les nouvelles technologies qui émergent ou qui sont développées ont un lien direct avec la maîtrise de la puissance, la maîtrise éventuellement des aspects dynamiques de l'usinage, la maîtrise des températures, de coupe, de l'environnement process. Voilà. Vraiment de la maîtrise de ce qu'on vient d'expliquer de manière très préliminaire, certes, c'est un exercice jamais facile en si peu de temps expliquer autant de choses, mais voilà, qui s'appuiera sur la base de ses principales grandeurs physiques grâce aux nouveaux moyens technologiques. Très bien, merci monsieur pour cette réponse. Question suivante, où se déroule la masterclass, quand et le nombre de sessions possibles? Alors, cette masterclass, c'est surtout du sur-mesure, hein, comme on l'a vu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être modulable, on rajoute ou pas les éléments optionnels, et on la réalise soit chez vous, au sein de l'entreprise, soit chez nous, au CETIM, donc en intra ou en inter. C'est vraiment selon la volonté des industriels, hein. Ça, c'est, il n'y a pas de règles, c'est vraiment la convenance. Très bien, merci monsieur. Question suivante. Quel est le meilleur lubrifiant? Le meilleur lubrifiant, il est celui qui correspond à votre opération. Et par opération, c'est un type de machine utilisée, type de matériaux utilisés, type d'outils utilisés et conditions dans lesquelles on les utilise. Et donc, une fois qu'on a analysé cet environnement-là, on essaye de comprendre en fonction des différentes caractéristiques environnantes, justement, quel peut être le meilleur lubrifiant à utiliser pour optimiser le coefficient de frottement, évacuer la matière usinée résiduelle et les copeaux hors de la zone de coupe, évacuer la calorie éventuellement également hors de la zone de coupe. Bref, il n'existe pas un meilleur lubrifiant, mais il existe un lubrifiant pour votre opération. Eh bien, merci monsieur pour cette réponse. Question suivante. Dans la perspective de l'usine 4.0, comment pouvoir mesurer les températures tant dans l'OC que dans et surtout dans la matière usinée? Dans la matière usinée, ça me paraît quand même assez complexe, dans la mesure où il faudrait aller instrumenter l'outil, enfin la matière que l'on usine, tout en sachant que la pièce que l'on usine peut avoir une fonctionnalité en post-usinage. Donc, il n'est pas évident d'aller mettre ou loger des capteurs, thermocouples par exemple. Maintenant, mesure infrarouge, lorsqu'on n'utilise pas de lubrifiant ou autre, bon, on peut peut-être trouver des subterfuges qui permettent de mesurer la température de la pièce usinée. Ou alors par méthode inverse, on peut faire de la simulation numérique pour voir quel est l'impact thermique subi par la pièce. Il y a ces possibilités-là. Sinon, ce qui se fait relativement plus facilement, c'est aller justement équiper l'outil coupant ou l'environnement de coupe pour aller mesurer des températures de coupe ou l'environnement de coupe. Donc, typiquement, pour voir un peu comment se comportent ces aspects thermiques, eh bien, au cours du temps ou en fonction des paramètres opératoires que l'on va choisir. Voilà. Très bien, merci monsieur. Je rappelle à tous nos participants qui peuvent poser toutes leurs questions depuis le panneau de contrôle. Question suivante, monsieur Thiel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer l'usinage cryogénique?
Alors, bien sûr, je vais pouvoir l'expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça fait partie de nombreuses explications dans le cadre de la masterclass. Mais pour faire simple, on l'a dit tout à l'heure, une grosse partie de l'énergie, enfin, pas une grosse partie, mais une partie importante quand même malgré tout, de l'énergie thermique est évacuée par l'intermédiaire de l'outil. Et encore plus lorsqu'on usine des matériaux réfractaires, comme par exemple les inconnels, les alliages de titane, certains alliages de titane ou autres. Et ça, c'est un vrai gros problème en usinage, puisque typiquement le cobalt, qui est le liant, on l'a précisé dans cette présentation, déteste les élévations en température trop importantes ou une durée trop prolongée à une température importante. Et donc, ce qui se passe, c'est que chimiquement, le cobalt a tendance à se dissoudre ou migrer vers la pièce usinée. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est soit modifier les conditions d'usinage, donc soit le substrat, soit sa géométrie, soit le revêtement, soit des choses comme ça, trouver des subterfuges géométriques, tribologiques ou paramétriques, ou alors on peut opter effectivement pour la solution d'usinage cryogénique qui consiste de deux façons différentes, soit par l'intermédiaire de l'azote, ou environ moins 180 degrés azote liquide, ou alors par l'intermédiaire du CO2, environ moins 80 degrés, en le projetant dans la zone de coupe pour provoquer un adoucissement thermique plus favorable qui permette d'optimiser à la fois la productivité, la durée de vie et la qualité des usinages. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que l'objet, ce n'est pas de vous faire aujourd'hui maintenant un descriptif de ce type de technique et de techno, mais c'est des choses que l'on peut approfondir si vous en avez la volonté en me recontactant ou déjà de manière préliminaire en consultant le document que je vous invite à télécharger gratuitement, qui est le guide. Dont d'ailleurs vous retrouverez le lien dans le document qui vous sera communiqué. Donc, l'image du guide, vous aurez juste à cliquer dessus et ça vous renverra directement sur le site du CETIM, normalement si tout fonctionne, pour que vous puissiez télécharger le guide. Voilà. Merci monsieur pour cette réponse. Question suivante. Est-ce que la WC augmente toujours la température dans l'interface outil-pièce pour tous les procédés? Exemple aussi. Oui, exactement. Alors, la rectification, c'est quelque chose de, c'est vraiment un procédé d'enlèvement de matière assez singulier dans la mesure où c'est un procédé d'enlèvement de matière par abrasion et non par coupe. Donc, on vient arracher de la matière et de manière en plus assez aléatoire. La répartition des grains sur une meule est maîtrisé, mais quand même pas hyper optimal. Donc, c'est quelque chose de finalement difficilement appréhendable. Alors qu'en usinage, c'est quand même quelque chose de, entre guillemets, plus facilement appréhendable. On l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a une slide qui était particulièrement importante à retenir, qui était celle qui expliquait que l'usinabilité, l'aptitude d'un matériau à être mis en forme sous l'effet du chargement mécanique d'un outil coupant résulte de trois choses, l'effet de l'écrouissage du matériau, son aptitude à être écrouillie, son aptitude à être mis en forme, donc la vitesse de déformation, et son aptitude à vivre l'adoucissement thermique. Donc l'outil, qu'est-ce qu'il se passe quand l'outil rencontre la matière? Il l'écrouille. Donc quand il l'écrouille, si le matériau est fortement sensible à cette notion-là, eh bien la pression de contact va augmenter. Et donc ça, c'est ce qui se passe typiquement à faible vitesse. Et c'est pour ça qu'à faible vitesse de coupe, on observe des pressions spécifiques de coupe importantes. Et donc là, vous me direz un peu, ça rejoint la remarque qui a été soumise. La question, c'est il faudrait augmenter la vitesse de coupe. Effectivement, c'est ce qu'on va faire. Et en l'augmentant, on soumet moins longtemps l'outil à cette pression de contact, donc l'effet de l'écrouissage devient moins prédominant entre guillemets, et l'effet de la vitesse de déformation et d'adoucissement thermique prennent le relais pour optimiser entre guillemets l'usinabilité de la matière. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on accède, si on analyse une courbe du couple outil-matière, au domaine de fonctionnement optimal. Et là, vous me direz, on a juste à augmenter indéfiniment la vitesse de coupe ou même l'avance, sauf qu'il va se poser un problème, on l'a dit, il faut le garder en mémoire, c'est que plus on augmente la vitesse de coupe, plus on va déformer rapidement la matière, et donc
plus on risque de créer de l'élévation en température par cet intermédiaire-là, on risque aussi de stresser la matière, puisqu'à un certain niveau de vitesse de déformation, il y a des matières qui réagissent plus très bien. Et puis, il y a une deuxième source d'élévation en température, on en a parlé également, c'est les frottements intenses. Et plus on va augmenter la vitesse de coupe, plus on va augmenter ces frottements intenses, donc plus on va augmenter la source de chaleur dans la zone de coupe. Et donc, c'est vraiment cette alchimie-là qu'il faut maîtriser le mieux et le plus possible pour optimiser le rendement productif et qualitatif d'une opération d'usinage. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. La thermie influence-t-elle également la forme des copeaux? Ça a coupé. Donc, je répète la question. La thermique influence-t-elle la forme des copeaux, c'est ça? Oui, la thermie influence-t-elle également la forme des copeaux? Donc, la thermique, elle va influencer l'opération d'enlèvement par, en règle générale. Certains matériaux qui vont être sensibles à l'effet de la thermique, donc on va céder justement de l'élévation en température pour mieux usiner, c'est le cas de certaines frontes. Et il y a d'autres cas de figure où on va essayer de faire en sorte, c'est le cas de beaucoup de cas de figure d'ailleurs, faire en sorte que cette élévation soit le moins important possible. Mais tout ça pour faire le lien avec la question qui est posée, c'est que l'effet sous-jacent est quoi qu'il arrive, bien sûr, si on optimise l'opération d'enlèvement matière, on va optimiser, on l'a dit tout à l'heure, le cisaillement et la fragmentation, donc par effet sous-jacent, la morphologie du copeau. Et donc, mieux on fragmente, mieux l'opération d'usinage est censée se passer. Très bien, merci monsieur pour cette réponse. Question suivante. Quels sont les paramètres influents sur l'usinage des matériaux composites? Bien, ils sont les mêmes que finalement que l'usinage de matériaux traditionnels métalliques, à ceci près que la forme des matériaux composites, par exemple les alvéolaires, va également entrer en ligne de compte. Mais tout ce qui concerne l'aptitude du matériau à être mis en forme, hein, sous l'effet du chargement et de la chaleur, va être une condition sine qua non pour une bonne exécution de l'opération dans la même matière, associée bien sûr aux paramètres opératoires qui conditionnent ces aspects-là et à la géométrie de l'outil coupant et du substrat utilisé. Donc après, on pourra approfondir ce sujet-là. Je ne crois pas que ce soit nécessairement l'objet, mais il y aurait encore beaucoup à dire, bien sûr. Merci pour cette réponse. Question suivante, Monsieur Thiel. Peut-on tester des lubrifiants au CETIM sur des machines-outils et choisir les outils, les opérations, les matériaux? Si oui, qui doit-on contacter? Alors évidemment, c'est des choses que l'on fait déjà, hein, puisqu'on travaille à la fois pour des fabricants de fluides de coupe. Les principaux, vous les connaissez, je ne vais pas les citer, parce que l'idée, ce n'est pas de faire de la publicité pour qui que ce soit et d'oublier quelqu'un. Mais on travaille déjà, on réalise régulièrement des campagnes de caractérisation de l'effet du fluide de coupe, de sa durée et de son efficacité. Tout en sachant également que le CETIM poursuit des travaux importants de développement sur le sujet, puisque l'on vient d'initier d'ailleurs tout récemment deux projets R&D importants sur le sujet. Le premier qui consiste à caractériser l'efficacité du fluide de coupe de manière méthodologique sur la coupe à proprement parler, et puis de manière plus générale, une méthodologie de sélection du fluide de coupe qui intègre bien sûr ces aspects d'efficacité sur la coupe, mais qui intègre aussi des notions plus larges et notamment des notions HSE, donc environnementales. Donc voilà, ça c'est des travaux qu'on est en train de réaliser. Donc on partagera les résultats une fois qu'on en aura suffisamment. Mais sinon, le CETIM se dote de toujours plus de moyens pour réaliser des caractérisations de fluides de coupe, entre autres. Et à qui s'adresser? Eh bien, vous pouvez vous adresser à moi et en fonction de la demande spécifique, je réorienterai ou je traiterai la demande si besoin est. Voilà.
Merci, Monsieur Thiel, pour cette réponse. Question suivante. Quelle définition peut-on donner d'un cermet à un carbure de tungstène? Tungstène. Tungstène. Carbure de tungstène lié en cobalt, lié en cobalt, cermet lié en métallique. Voilà la différence fondamentale. La différence entre les deux, pour être un peu plus précis, réside dans le fait que à la place d'avoir un liant cobalt, on a des liants métalliques, pardon, type nickel, fer ou autre. Voilà, c'est la différence. Du point de vue des caractéristiques, l'aptitude des cermets réside dans le fait que ce sont souvent des matériaux plus durs, donc dédiés à certains types d'opérations d'usinage. Mais qui ont le désavantage au regard des carbures de tungstène liés en cobalt de présenter un peu moins de polyvalence en termes d'application. Voilà, grosso modo, peut-être ce qu'on peut dire à propos de ce sujet. Merci, Monsieur Thiel. Et dernière question. Retrouvons-nous les mêmes phénomènes dans du carbone, zone de cisaillement, zone de forte pression, écrouissage, même si nous n'avons ni copeaux, ni réelle déformation plastique? Alors, je sais pas si j'ai vraiment compris la question, mais le carbone, c'est un peu… Je vais la répéter, si vous… Alors, allez-y. Retrouvons-nous les mêmes phénomènes dans du carbone, zone de cisaillement, zone de forte pression, écrouissage, même si nous n'avons ni copeaux, ni réelle déformation plastique? Alors, à l'échelle du carbone, on retrouve bien sûr, toute proportion gardée, des fortes pressions de contact, mais ça, c'est des choses qui opèrent à l'échelle du carbone. Maintenant, le phénomène de cisaillement et de fragmentation opère dans des conditions différentes, un peu à l'instar de ce qu'on observe dans les composites alvéolaires, puisqu'on va avoir une orientation de l'effort et de la matière usinée qui va sans cesse varier dans toutes les dimensions. Donc, une sollicitation finalement thermique et mécanique qui peut varier également, tout en sachant que l'usinage des carbones est souvent des usinages fortement abrasif. Donc, il faut adapter aussi l'usinage à cette notion-là. Donc, utiliser des outils de coupe très durs, avec une très bonne acuité d'arête, des angles de coupe prononcés. Bon, bref, voilà, un contexte d'utilisation un peu spécifique, mais finalement, le processus d'enlèvement de matière, que ce soit des composites, des carbones ou des matériaux métalliques, si on isole ça à l'échelle de la section de coupe, bien, ça opère quand même plus ou moins tout le temps de la même façon. C'est pour ça que l'on peut transposer ces explications-là et les adapter au cas par cas pour modifier l'un ou l'autre des paramètres techniques sur lesquels on peut éventuellement intervenir. Très bien, merci monsieur. Je vais prendre une dernière question. Pensez-vous qu'à terme, l'usinage sera combiné à des machines de fabrication additive métallique? Alors, ce n'est pas à terme, c'est déjà le cas. Il y a déjà des fabricants qui réalisent ça. Je crois qu'il y a Mazak qui fait ça. Bref, il y a déjà des fabricants qui le font, hein, ça c'est, et depuis déjà, je crois, 2, 3, 4 ans. Donc, le CETI médite des veilles technologiques sur ces sujets-là. Moi, je vous invite à aller les télécharger. Donc, vous verrez des infos. Parfois, c'est aussi des présentations qui vous seront faites sur ces sujets-là, puisqu'on a au CETI des gens spécialisés sur la veille, des gens qui font des salons à travers le monde et qui font donc ensuite des rapports sur ces technos émergentes. Et je parle de ça parce que typiquement, la machine hybride qui fait de l'usinage et de la fabrication additive existe déjà et a déjà été présentée dans le cadre de commission du CETIM, dans le cadre de rendez-vous de la mécanique, dans le cadre de notes de veille que vous retrouverez en téléchargement sur le site de CETIM. Bref, par l'intermédiaire de différents supports. Donc, en fait, la machine hybride, c'est quelque chose qui appartient déjà au présent. La question, c'est de savoir si elle a un avenir. Et là, bien malin qui le sait. Merci, Monsieur Thiel. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinaire Paramètres influents en usinage. Merci beaucoup à notre intervenant, Monsieur Julien Thiel. Merci à notre partenaire, le CETIM.
Vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire.